Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment parer un coup de poing dans l'estomac. Alors il y a plein de techniques, je vais en prendre une parmi tant d'autres. Je suis en position, l'agresseur veut me mettre un coup de poing dans l'estomac, vas-y. Un, je pars, je recommence. Un, je pars. Deux, je viens taper ici, de manière à ce qu'il puisse se plier un peu plus. Je tape en marteau, je tape en marteau. Je viens lever mon bras qui est à l'intérieur, pousser la nuque, et le faire tomber en lui demandant de bien vouloir se calmer. D'accord? Je recommence. Je décompose. L'agresseur va mettre un coup dans l'estomac. 1, je pars. 2, je viens taper de manière à le plier. 3, je lève. 4. Et je lui demande de bien vouloir se calmer. Troisième fois. Je décompose. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît, restez tranquille, je ne veux pas me battre. Vas-y, hein. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc là, je vais aller plus vite pour vous montrer ce que ça peut donner. Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Calmez-vous. 1, 2, non, j'ai raté. Ça arrive des fois. Je fais la reprise. Donc là, il met un coup, vas-y, dans l'estomac. 1, 2, et je peux venir aussi avec la jambe, tout simplement. 4. Je recommence une dernière fois. Un coup dans l'estomac. 1, 2, 3, 4. Et je demande de bien vouloir rester tranquille, car je ne veux pas me battre. Voilà. Merci et à bientôt.